L'Union européenne s'attend à une augmentation du nombre de migrants africains vers l'Europe avec l'arrivée du beau temps en Méditerranée. En prévision de cet afflux, l'UE accroît son aide à la formation de la garde côtière libyenne et à la construction de meilleurs camps en Afrique. L'an dernier, 81 000 personnes ont fait le voyage de la Libye vers l'Europe, un nombre record selon l'Union européenne. Parmi elles, 25 000 mineurs non accompagnés. Plus de 5 000 migrants auraient trouvé la mort lors des tentatives de passage. Les dirigeants de l'Union européenne devraient publier un communiqué conjoint à la fin d'une réunion à Malte cette semaine. Les migrations dans la Méditerranée centrale et la situation en Libye seront au menu des discussions, d'après une source.